Bonjour à tout le monde, Zangaï, Tonton Nabino, Tonton Yabana Ebele, Yaya Nabino, Leki Nabino, en tout cas Gilmas, Nako Tikate, Nako continue toujours dans les bons chemins. Bino Boko Boyebi, ce n'est pas facile le chemin que nous avons choisi, mais on y tient bon, on sera toujours là, tant que la justice sera faite à toutes les femmes. On sera toujours là. Aujourd'hui, je voulais m'adresser à Karine Mokonzi et Nikki Menga. D'après l'analyse, la vidéo de Karine Mokonzi qui, soi-disant, avait donné des leçons morales à Nikki Menga, alors je devrais un peu intervenir puisque ça me concerne. Karine Mokonzi m'a attaqué indirectement. Alors moi, comme je suis un homme de sixième sens, je ne fais que relater des vérités qui sont là. Alors, la première question est de savoir: est-ce que Karine est vraiment la personne qui pourra donner des conseils à Nikki Menga? Est-ce que Karine Mokonzi a le niveau de conseiller la personne de Nikki Menga? Si Karine Mokonzi se permettait de parler directement à Nikki Menga, est-ce que ce n'est pas parce que Nikki Menga n'a pas des communicateurs qui sont tellement farouches? Ce sont les questions qui me viennent en tête. Quand je passe à une dame qui fait manger d'autres dames du sang, une dame qui a des mains sales, Karine Mokonzi, une dame sans morale, une dame sans éducation, une fille de la rue, ça c'est Karine Mokonzi, une fille bordel en général, c'est elle qui se met à donner des leçons morales à des personnes éduquées. On est où? En tout cas, moi, ça me fait vraiment questionner quand je vois une personne qui ne sait même pas comment se rétablir dans un pays, qui ne sait pas la notion d'intégration. Karine Mokonzi, une fille dévergondée, qui n'a peur de salir sa propre famille. Elle s'en fout de la famille et ne sait pas la valeur d'une famille et ne comprend rien de ce que l'on appelle conscience morale. Elle n'a pas toutes ces qualités-là. Mais c'est elle. Elle veut se porter garante de donner des leçons morales à des personnes qui ont des visions, qui ont des plans dans la vie, les personnes qui ont des projets dans la vie. Mais Karine Mokonzi, bois un peu de l'eau fraîche. Si tu savais, soit si tu comprenais les degrés de ton intelligence, tu ne devrais même pas parler. Si tu savais si tu savais que ta façon de réfléchir est purement immature, tu devrais fermer ta bouche, Karine Mokonzi. La femme que tu insultes, c'est une femme qui a été pendant plus de 15 ans dans une situation de faiblesse. C'est une dame qui s'est battue pour être là où elle est aujourd'hui. C'est une dame qui
qui a éduqué et qui continue à éduquer ses enfants. C'est une dame qui comprend la valeur d'intégration, la valeur de la famille. Pendant que tu es là, en train de sulter le monde, à chercher de l'argent, des vols, tu es une fille handicapée, une femme dépendante. Je m'excuse de t'appeler une fille, tu es une femme dépendante. Karine Mokonzi, une femme bordel dépendante, une fille qui dépend d'une communauté. Même les sous-vêtements sont achetés par tes amis. Alors pour moi, je fais toujours appel. C'est la deuxième vidéo. C'est la deuxième vidéo de faire appel à la personne de Nicky Menga, Barcelone. La femme qui fait tourner les réseaux sociaux congolais maintenant. Si elle avait vraiment des parfaits communicatrices, soit communicateur, pendant qu'on se parle à ce moment ici, elle serait une figure emblématique. Une figure emblématique aux personnes démunies. Si aujourd'hui, Nicky Menga pourrait parler. Si Nicky Menga pourrait parler, ouvrir sa propre chaîne de YouTube, parler de sa vie, elle serait comme des femmes, Emmanuel Koha de Côte d'Ivoire, soit de Cameroun, elle serait comme des femmes, des ex, les femmes, les ex-femmes des stars qu'on voit partout. Quand il faut des interviews, c'est de l'argent. Qu'est-ce que Nicky Menga attend? Votre interview, votre franc-parler sur les réseaux sociaux pourra sauver beaucoup de gens, beaucoup de monde. Votre franc-parler, Nicky Menga, pourra vous faire des sous. Pendant que les gens sont en train de salir ton nom, tu serais là en train de sauver des vies avec ton histoire. Alors moi, j'invite toujours Nicky Menga à se faire un nom dans la communauté. Dieu t'a choisi. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, tout le monde parle de toi. Ce n'est pas pour rien. Alors, relève les défis. Lève-toi. Il est temps. Des femmes comme des mères officielles, des mères Nyangi, je ne sais pas comment on l'appelle, des femmes bordel comme Karine Mokonzi, des femmes partout sur les réseaux sociaux, des femmes sans pudeur, ils ne pourront en aucun cas jouer avec ton nom, utiliser ton nom, insulter ton nom. Cher sœur, tu as une bouche, tu as le charisme de parler. Tu as une langue, défends ta personnalité, défends ton propre nom. Tu as des enfants, protège tes enfants. La fille comme Karine Mokonzi ne pourra en aucun cas te parler comme ça. Une fille qui n'a pas honte, une fille maudite, c'est elle qui veut divulguer ton nom comme ça partout. Alors, s'il vous plaît, vous êtes déjà un symbole. Vous faites la fierté. Vous aviez su défendre votre personne. Vous êtes sorti dans les néants parce que vous en aviez assez. Vous en aviez marre. Il est temps de dire non. Il est temps de dire non aux mauvais traitements.
Il est temps de dire non à l'injustice. Il est temps de dire non à tout ce qui n'est pas conforme à la vie sociale. Alors, je vous appelle Nicky Menga à vous faire respecter, à trouver des personnes qui sont capables de défendre votre nom vraiment est en jeu. Défendrez votre nom, faites de votre nom un symbole congolais. Alors la vidéo vient trop prochainement pour parler, ne fût-ce que et seulement de Nicky Menga avec les plats que je lui propose. En tout cas, on est ensemble.